Bonjour et bienvenue à la Cité des sciences et de l'industrie pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au programme de ce numéro, un nouveau format d'image qui pourrait supplanter bientôt le JPEG, une histoire de corbeau particulièrement rancunier, un focus sur le Blue Brain Project et l'invention du premier vélocipède il y a tout juste 200 ans. Prendre ou échanger des photos sans le bon vieux format JPEG, cela vous paraît impossible. On n'en est pas là, mais Apple s'apprête à lancer un format d'image alternatif, bien plus performant, le HEIF. Explication. Dès l'automne prochain, un nouveau format d'image, le HEIF, sera présent par défaut sur iOS 11, le prochain système d'exploitation Apple pour mobile. Autrement dit, si vous prenez une photo sur un iPhone ou sur un iPad nouvelle génération, c'est dans le format HEIF qu'elle sera enregistrée. HEIF signifie High Efficiency Image File Format. Mis au point en 2015, ce nouveau format optimise le rendu et le stockage des photos et corrige ainsi le principal défaut du JPEG, la perte d'informations liée à la méthode de compression. C'est pour corriger ce défaut, d'ailleurs, que les professionnels privilégient souvent le RAW, un format peu comprimé mais très lourd. À qualité d'image égale, le format HEIF, quant à lui, pèse deux fois moins lourd que le JPEG. Il contient en outre de multiples informations, l'image et ses métadonnées, comme le JPEG, mais aussi sa miniature. Mieux encore, il réunit des photos prises en rafale et une séquence filmée dans une bien meilleure qualité que les actuels GIF animés. Ce n'est pas tout. Le fichier HEIF rassemble aussi une image brute avec sa version traitée, comme deux fichiers RAW et JPEG, mais dans un seul fichier. Et enfin, il peut aussi contenir des informations textuelles et audio. Quant au codec utilisé pour la compression, il s'agit du HEVC, développé initialement pour la vidéo, et qui est l'un des plus puissants au monde. Dans un premier temps, le gros inconvénient de l'HEIF, c'est qu'il n'est pris en charge que par les appareils, fonctionnant sous iOS 11, alors que le JPEG est universel, c'est-à-dire utilisable sur la plupart des applications. Mais en imposant certains standards, la marque à la pomme a déjà conduit à l'abandon du format flash, du lecteur de disquette, du lecteur de CD et bientôt du port USB. Après 30 ans de bons et loyaux services, le JPEG sera-t-il la prochaine victime? L'avenir le dira. Le corbeau est un animal rancunier. C'est ce que vient de démontrer une étude portant sur le comportement de 7 corbeaux apprivoisés qui vient d'être publiée dans la revue Science Direct. Des chercheurs de l'université de Vienne ont éduqué des corbeaux pour échanger des friandises avec des humains. Le corbeau donnait un morceau de pain et recevait en échange un morceau de fromage. Mais une fois les oiseaux habitués à cet accord, les scientifiques ont changé la règle du jeu. Lorsque le corbeau donnait le pain, le chercheur le mangeait en même temps que le fromage que le corbeau attendait. 2 mois plus tard, l'expérience a été retentée et un seul oiseau, que l'on voit ici, a accepté de reprendre le jeu avec un chercheur voleur. Les autres se sont souvenus de la malhonnêteté des expérimentateurs et ont refusé de reprendre le jeu. Ces résultats, selon les chercheurs, montrent que les corbeaux peuvent se souvenir des humains avec qui cela vaut la peine de coopérer, même après une seule interaction. Percer les mystères de la conscience fait partie des ambitions de plusieurs grands projets de recherche sur le cerveau. Le Human Brain Project, d'envergure européenne, et son petit frère suisse, le Blue Brain Project, tous deux dirigés par le neuroscientifique Henri Markham. Or, l'équipe suisse publie cette semaine une étude qui dévoile une architecture de la conscience plutôt originale. À l'aide de leur équipement très spécifique et d'un superordinateur, les scientifiques du Blue Brain Project ont modélisé le fonctionnement d'une aire cérébrale de rat, composée de 31 000 neurones et de 8 millions de connexions. Ils ont ensuite cherché à illustrer comment les neurones s'organisent entre eux lorsqu'ils sont stimulés. La complexité réside bien évidemment dans le fait que les neurones forment un réseau. Par exemple, dans le cerveau humain, un neurone possède en moyenne 10 000 connexions. Ici, les chercheurs ont regardé uniquement les neurones fonctionnant par paires et leur ont associé une représentation géométrique tridimensionnelle en fonction de leur connexion à d'autres paires. Grâce à un modèle mathématique, ils ont obtenu un outil très original de représentation de l'activité neuronale. Grâce au modèle virtuel du Blue Brain Project, une nouvelle façon de visualiser le cerveau en fonctionnement est proposée, intégrant de très nombreuses dimensions, des plus petites, comme une simple ligne reliant 2 neurones, à un polyèdre de 7 dimensions.
L'ensemble sculpte une sorte de diagramme, aussi étrange qu'éphémère, puisque cette architecture s'évanouit au bout de quelques millisecondes. À quelques semaines du départ du Tour de France, clôturons ce journal avec un anniversaire, celui de l'invention de l'ancêtre du vélo. C'est en effet le 12 juin 1817, il y a tout juste 200 ans, que le baron allemand Karl Drais a parcouru en une heure 14,4 km sur une machine de son invention dotée de deux roues et d'un guidon. Regardez. Le 12 juin 1817, Karl Drais a 33 ans lorsqu'il parcourt les 14,4 km de Meinheim au relais de poste de Schwetzingen. Sa machine, d'abord appelée Laufmaschine en allemand, c'est-à-dire machine à courir puis draisienne, est un engin à deux roues avec un siège et une roue avant comportant une direction à pivot. C'est avec le brevet déposé quelques mois plus tard par un avocat français que le terme de vélocipède fait son apparition. Ce brevet précise d'ailleurs que le vélocipède est une machine inventée dans la vue de faire marcher une personne avec une grande vitesse en rendant sa marche très légère et peu fatigante par l'effet du siège qui supporte le poids du corps qui est fixé sur deux roues qui cèdent avec facilité au mouvement des pieds. L'appellation sera confirmée le 5 avril 1818 par le Journal de Paris pour annoncer une course au jardin du Luxembourg. Tombé dans un relatif oubli, le vélocipède sera relancé en 1861 grâce à l'artisan serrurier Pierre Michaud qui invente la pédale. Le vélocipède Michaud, ou Michaudine, coûte à l'époque plus de 250 francs, soit l'équivalent d'une année de salaire d'un ouvrier. L'engin connaît cependant un beau succès dans la haute société. Le fils de Napoléon III se met en tête de convertir toute la cour au vélocipède, au point qu'on le surnomme Vélocipède 4. Cadre en fonte au lieu du bois, freins, pignons et transmission par chaîne, plateaux, les innovations se succèdent à grande vitesse jusqu'à l'arrivée du pneumatique grâce à l'écossais John Dunlop, pneu qui sera rendu démontable grâce aux frères Michelin. Enfin, c'est en 1908 que le dérailleur complétera l'essentiel du dispositif qui n'a guère changé depuis. Ce journal est maintenant terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. D'ici là, retrouvez-nous sur le site de la rédaction scienceactualité.fr. À bientôt.